Thank you Ok, direi che possiamo iniziare con la seconda parte del dibattito che chiaramente è legata al primo dibattito che abbiamo avuto questo pomeriggio. Questa seconda parte l'abbiamo intitolata Riflessi neocoloniali, le periferie europee tra razzismo, islamofobia e segregazione e abbiamo qui con noi Said Bouamama che è un sociologo e soprattutto un militante eh, punto di riferimento nelle lotte anticoloniali decoloniali in Francia, come diceva prima, arriva da Lille e appunto fa parte eh, delle lotte antirazziste, e in questo momento fa, fa parte eh, di una realtà che si chiama Fronte Unito dell'immigrazione dei quartieri popolari e ha preso parte molto recentemente al eh, Comitato di sostegno alla lotta dei migranti senza documenti di Lille, di cui avremo anche modo di, di parlare. Um, io inizierei con questa introduzione proprio ripartendo un po' dalle questioni che venivano sollevate eh, nella parte precedente del dibattito, in particolare dalle. Um, Osservazioni che eh, Said ha, ha posto già eh, nella sua domanda, quindi abbiamo parlato eh, di guerra, abbiamo parlato di guerra da un punto di vista, eh, come dire, anche esterno: di eh, provare a eh, costruire anche una lente di analisi rispetto a quella che è eh, la fase attuale degli attori in campo. E ehm, di che cosa significa eh, la guerra alla Palestina, ma soprattutto Cosa significa il 7 ottobre? Perché eh, questa, mh, questo attacco, questa esplosione e questa possibilità di riscatto e di rimettere anche sul piatto della questione. La questione palestinese è avvenuta proprio in questo momento per tutta una serie di fattori che eh, vorremmo andare ad analizzare insieme a Said, proprio per quello che diceva prima, quindi eh, che cosa significa quel territorio, che cosa significa Israele all'interno di quel territorio e eh, un'egemonia occidentale rappresentata eh, chiaramente dagli Stati Uniti d'America che in qualche modo si sta incrinando. E quello che, eh, per noi è in è che questo momento ci sta eh, rappresentando questa possibilità, eh, la possibilità insomma di attaccare eh, il cuore dell'impero, però noi qui oggi siamo nel cuore dell'imperialismo e quindi quello che noi vorremmo andare a approfondire anche insieme a Said e, e anche cosa possiamo fare qui. Eh, cosa significa quando diciamo la lotta di liberazione del popolo palestinese è, eh, significa una speranza, una possibilità di liberazione per tutti i popoli oppressi? Cosa significa per noi fare un avanzamento nelle lotte che portiamo avanti e che non sia semplicemente un attestarsi su un livello di solidarietà? Eh, rispetto a eh, appunto una dimensione eh, sia umanitaria ma anche di vicinanza, ma proprio come fare per battersi in prima persona, per liberarsi in prima persona dalle catene del, dell'imperialismo. In questo senso eh, pensiamo sia molto importante avere Said qui con noi, sia molto, pre molto preziosa la sua esperienza e quindi vorremmo proprio approfondire anche cosa significa eh, davvero eh, antirazzismo politico, cosa significa lotta decoloniale, cosa ha significato anche in una dimensione storica, eh, in particolare ovviamente del contesto francese, perché lui ha partecipato appunto alle lotte all'interno di, di quel territorio lì, ehm, sia da un punto di vista, come dire, oggettivo di come si è arrivati ad una società eh, costruita come quella di oggi, capitalista, cosa significa il razzismo eh, che permette al capitalismo di riprodursi e eh, in questa fase in particolare cosa significa per eh, le borghesie occidentali il colonialismo oggi. Che eh, nella storia ha permesso di costruire una pace sociale e che in questo momento vediamo appunto delle possibilità eh, di, di incrinarsi anche perché. Pensiamo che ehm, all'oggi all'interno di quelle che sono le, le elite europee, delle borghesie europee, ci sia una fine della mediazione possibile nei confronti eh, dei popoli di chi sta in basso e quindi chiaramente eh, quello che succede in Palestina è eh, l'altra faccia della medaglia di quello che succede anche qui e quindi di una stretta rispetto all'espropriazione eh, di tutte quelle che sono appunto le possibilità di una vita migliore anche alle nostre latitudini proprio all'interno stesso dell'Europa e l'altro aspetto che vorremmo approfondire con lui è proprio come nella storia si sono trasformate le lotte decoloniali, che cosa ha significato dagli anni 80 ad oggi eh, prenderne parte e eh, appunto eh, il, il punto eh, su cui vorremmo concentrarci è proprio. Eh partire dal presupposto che quello che sta accadendo ci riguarda e ci riguarda su molti aspetti e sicuramente non possiamo in qualche modo aspettare o delegare in qualche modo una, una fuoriuscita eh, da, da quello che sta accadendo e soprattutto di non lasciarla eh, da sola perché eh, ci sta in qualche modo aprendo a delle possibilità nuove oggi. Quindi, io non ruberei altro tempo, eh, lascerei la parola a Said, faremo la traduzione eh, pezzo a pezzo e, e poi ovviamente apriremo anche alle domande. Io vi ringrazio di m'avoir invitata perché penso che nous sommes dans une période historique che necessita. que les militants et les citoyens de l'ensemble de la planète multiplient les moments où ils partagent leur grille d'analyse. Parce que nous sommes à une période historique particulière dans laquelle nous sommes à la fois devant une catastrophe et à la fois dans un moment où on peut être plein d'espoir. On est en Italie, je vais citer Gramsci, qui nous disait que lorsque le vieux monde tarde à partir et que le nouveau monde tarde à venir, dans la période intermédiaire naissent des monstres. Je pense que nous sommes dans cette période et que nous sous-estimons fortement les dangers de retour du fascisme et les dangers de guerre, et quand je parle de guerre, ce n'est plus des guerres localisées, de guerres généralisées et que nous avons pris un retard énorme sur ces questions-là, parce que nous ne partageons pas nos grilles de lecture. Parce qu'entre les militants qui sont aujourd'hui en Afrique ou en Palestine, et les militants qui sont à Turin ou à Paris, il n'y a plus de lien. Il n'y a pas d'échange. J'ai été, il y a quelques dizaines d'années, amené à m'engager dans ce travail de recherche et de militantisme. Sur le lien entre là-bas et ici, sur la dimension décoloniale, parce que quand j'allais en Afrique, tout le monde connaissait les débats qu'il y avait ici. Tout le monde connaissait les théoriciens de la révolution ou du changement social ici. Vous parliez de Marx, de Bakounine, de Lénine, ils connaissaient là-bas. Et ici, quand je leur demandais s'ils connaissaient Amilcar Cabral, qui est un théoricien qui a apporté beaucoup à la compréhension de la révolution, eh bien personne ne connaissait. Autrement dit, notre histoire colonialiste et impérialiste amène encore aujourd'hui à ce que l'on ne connaisse pas des gens qu'on a besoin de connaître. Allora, grazie per, per questo dibattito, per questo momento, perché penso che siamo in un periodo storico che necessiti di momenti come questi e che eh, militanti e cittadini soprattutto si riuniscano e si moltiplichino in momenti di analisi come questo. Siamo in un periodo storico particolare in cui siamo davanti ad una catastrofe, ma allo stesso tempo davanti a un momento in cui possiamo essere pieni di speranza. Siamo in Italia, quindi cito Gramsci. Eh, quando il vecchio mondo tarda ad andarsene, il nuovo tarda ad arrivare. Nel periodo di mezzo nascono dei mostri, e in questo caso stiamo sottostimando i rischi di questi mostri, del, di un ritorno al fascismo e di una guerra. E quando parlo di guerra, parlo di una guerra generalizzata. Abbiamo, un ritardo su queste cioè abbiamo ritardato a parlare di queste questioni perché non condividiamo le griglie di lettura, perché tra i militanti che sono in Palestina, quelli che sono a Parigi, quelli che sono a Torino, non c'è un legame, non ci sono scambi. Eh, dieci anni fa ho fatto un lavoro di ricerca sul legame tra eh, quei territori e eh, qui, e sulla, sulla dimensione decoloniale. Perché eh, quando andavo in Africa tutti conoscevano i dibattiti che c'erano eh, nel mondo occidentale, quindi tutto il mondo conosceva i teorici della rivoluzione, Marx Bakunin, ma quando chiedevo se eh, qua invece si conosceva Carcablal, per esempio, che ha portato a molto per la nostra storia, nessuno lo, lo conosce. E quindi la nostra storia imperialista e coloniale porta ancora oggi a far sì che appunto, non conosciamo e non ci sono questi scambi. Pour qu'on puisse rompre avec cette coupure, il faut qu'on ait vraiment en tête que notre sort ici est lié au sort de ce qui se passe dans les pays qui sont aujourd'hui dominés par nos propres États. L'avenir des peuples européens est en lien avec l'avenir des peuples qui sont dominés par leurs États. Il n'y a pas une réalité là bas qu'on devrait, qu'on qu pourrait découper de la réalité ici. Il n'y a pas une dimension internationale qui planerait et qui serait sans lien avec la dimension nationale. Ce qui se passe à l'extérieur a un impact ici et ce qui se passe ici a un impact dans les pays dominés. Autrement dit, nous sommes aujourd'hui dans un destin commun au niveau des peuples et si cette conscience-là internationaliste n'avance pas, nous continuerons à avoir des chemins séparés, à ne pas comprendre l'enjeu, les formes de lutte qui sont prises ailleurs. On l'a on vu tout à l'heure dans le débat sur le 7 octobre, tout ce débat-là, est-ce qu'ils ont eu raison de faire comme cela, est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'est tout simplement ne pas prendre en compte les contextes locaux. Alors, pour bien comprendre cela, il me semble qu'il faut vraiment prendre la mesure, et je pense qu'elle n'est pas prise, de ce qu'a été le colonialisme non seulement pour les peuples qui ont été colonisés, mais pour les peuples des pays colonisateurs. Un grand auteur qu'il faut relire aujourd'hui à tout prix, qui s'appelle Franz Fanon, a été le premier à alerter là-dessus, en disant que pour que l'esclavage et la colonisation soient possibles, il a fallu modeler les esprits des peuples des pays qui ont été colonisés. Il a fallu leur mettre dans leur tête un certain nombre d'idées, de représentations, sans lesquelles ils se seraient révoltés contre ce qu'est l'horreur de l'esclavage et du colonialisme. Et donc, ce n'est pas seulement les peuples dominés qui ont été touchés par le colonialisme, c'est les peuples des pays colonisateurs également. Per rompere con questa distanza, con questa separazione, dobbiamo sapere che la nostra sorte qui è legata alla sorte di, eh, di tutti quei popoli eh, dominati. Il nostro avvenire è in stretto legame con i popoli dominati e non c'è una realtà che possiamo dividere, non c'è una dimensione internazionale che è lontana, divisa da ciò che è la dimensione interna. L'impatto c'è in quello che succede altrove, eh, all'interno e viceversa. Quindi siamo in un destino comune tra i popoli e ehm, c'è la necessità di una coscienza internazionalista che deve avanzare e altrimenti avremo percorsi divisi e non capiremo gli interessi e quello che si gioca altrove. L'abbiamo visto prima anche sul discorso che è stato fatto sul 7 ottobre eh, nel dibattito. Eh, per, eh, Mm, comprendere eh, questo bisogna prendere la misura però di ciò che è stato il colonialismo non solo per i popoli colonizzati ma anche per i colonizzatori, per i popoli dei paesi colonizzatori e Franz Fanon è stato il primo ad allertare su questo e la schiavitù è stata possibile perché abbiamo modellato lo spirito dei popoli colonizzatori, abbiamo costruito degli immaginari eh, che senza questi eh, non sarebbe stato possibile. Alors pour prendre la mesure de ce qu'a qu été le colonialisme, eh bien, il faut déjà le, arrêter de le séparer d'autres questions. On a plein de débats en Europe, dans le mouvement militant. Certains parlent du capitalisme, d'autres parlent du colonialisme, d'autres parlent du racisme, de manière séparée, comme si on pouvait séparer ces trois réalités. Pour prendre la mesure de ce qu'a été le changement du monde avec l'apparition du capitalisme, il faut relier ces trois questions qui sont indissociables, qui naissent au même moment et qui s'entretiennent les unes les autres. Le capitalisme apparaît à un moment de l'histoire de l'humanité, alors que ces conditions étaient déjà réunies ailleurs, bien avant. Il a, il a, les conditions d'apparition du capitalisme étaient nées en Chine. X siècle auparavant, il y avait une bourgeoisie commerçante qui aurait pu très bien devenir une bourgeoisie industrielle. Pourquoi ça n'est pas devenu le capitalisme industriel Un grand auteur, Ibn Khaldun, qui est l'inventeur de la sociologie, dans le Maghreb du XIVe-15e siècle, décrit une bourgeoisie commerçante qui est au bord de... Devenir capitaliste, mais qui ne le devient pas, qui ne se transforme pas en bourgeoisie industrielle. Qu'est-ce qui fait qu'en Europe, dans deux pays en particulier, au début, l'Angleterre d'abord et la France ensuite, ça a déclenché un changement de mode de production qui a créé l'industrialisation et le capitalisme tel qu'on le connaît, tel qu'on le connaîtra ensuite. Est-ce que c'est une intelligence particulière des peuples européens? Est-ce que c'est un don qu'auraient les peuples européens qui les distingueraient des Chinois ou des, euh, ou, ou, ou des Maghrébins Non, bien entendu, non. Ce qui s'est joué à ce moment-là, ça a été l'opportunité d'aller massacrer les peuples des Amériques. C'est ça qui a créé la base économique de naissance du capitalisme. On a aujourd'hui des travaux récents qui ont été s'intéressés, en fait, depuis que dans le tiers monde, parce que ça vient d'Amérique latine d'abord, le mouvement décolonial et après ça, et, et, et d'Inde, et ça, ça s'est étendu partout. Mais le fait que, le mouvement, que les théories décoloniales sont venues poser ces questions-là a amené des chercheurs à aller tenter de comprendre les flux d'argent qui sont venus des Amériques qu'on a été détruire, on a massacré des peuples entiers. Et comment ils sont arrivés ici, et ils ont été où Alors ils sont passés par euh, l'Espagne et le Portugal qui étaient les deux pays qui ont été massacrés aux Amériques. Mais ces deux pays pour réaliser leur opération de conquête et de génocide se sont endettés auprès de toutes les grandes banques européennes et en particulier auprès des banques anglaises et françaises et hollandaises. Et on a la trace de cette masse de capitaux énorme qui transite par l'Espagne et le Portugal et qui arrive dans les banques anglaises, françaises, hollandaises, les pays qui vont donner naissance au capitalisme. Autrement dit, le capitalisme est né au même moment que le colonialisme. Il n'y a pas eu le capitalisme et après le colonialisme. Quindi bisogna prendere la misura di ciò che è stato il colonialismo, non è possibile separarlo da altre questioni, abbiamo molti dibattiti anche negli ambiti di movimento in Europa che parlano di colonialismo, di razzismo, di capitalismo, ma in maniera separata, come se fossero questioni eh, che è possibile appunto, dividere. Eh, il cambiamento del mondo con l'arrivo del capitalismo lo capiamo soltanto se teniamo insieme queste questioni. Il capitalismo nasce in un'epoca eh, ma c'erano le condizioni riunite già prima, eh, le condizioni nella Cina in cui la borghesia commerciante eh, sarebbe potuta diventare una borghesia industriale oppure nel Maghreb. Cosa che appunto non è stata possibile, non c'è stato questo passaggio di trasformazione nella borghesia industriale. Come è stato possibile invece in Europa, in Gran Bretagna, in Francia, eh, ciò che ha permesso la trasformazione e quindi di creare il capitalismo come lo conosciamo oggi. Uh, come è stato possibile? Ovviamente non è uh, come dire, un dono che hanno i popoli europei rispetto al popolo del Maghreb o al popolo in Cina, ma si è giocata lì un'opportunità, ossia l'opportunità di massacrare i popoli dell'America. Questo ha creato le basi per la nascita del capitalismo. Eh, abbiamo molti lavori che eh, arrivano dal Terzo Mondo, dall'America Latina, arrivano le teorie decoloniali e questo ha permesso ai ricercatori di comprendere. Com, qual è stata la genesi e di comprendere i flussi di capitale che sono arrivati dalle Americhe all'Europa, ebbene sono passati dalla Spagna e dal Portogallo, che sono i due paesi che hanno massacrato nelle Americhe, grazie ai prestiti delle banche inglesi, francesi e olandesi, e quindi abbiamo la traccia della massa dei capitali che sono transitati dalla Spagna dal Portogallo arrivando nelle banche europee. Quindi il capitalismo è nato nello stesso momento in cui è nato il razzismo. Mais pour faire passer cela, pour faire accepter le massacre de peuples entiers, parce que ça ne se cachait pas, pour le faire accepter, eh bien il y avait besoin d'un troisième larron à côté du capitalisme et du colonialisme, il y avait besoin de produire une idéologie qui soit une idéologie qui justifie la mise en esclavage le massacre et ensuite la colonisation. C'est comme ça qu'est né le racisme. Le racisme, contrairement aux idées qui sont véhiculées dans la presse dominante, dans les médias dominants, qui nous dit que le racisme a toujours existé, quand on nous dit que le racisme a toujours existé, on est en train de nous dire, de nous faire croire qu'il existera toujours, qu'on ne pourra pas le supprimer que les peuples en eux-mêmes seraient racistes, eh bien, quand on nous dit cela, c'est pour masquer le moment d'apparition du racisme. Avant le capitalisme, il y avait d'autres formes de rejet. Ce n'était pas le paradis. Il y avait d'autres formes de rejet. Il y avait des formes d'incompréhension. C'était en particulier la xénophobie, la peur de celui que je ne connais pas. Et c'était l'ethnocentrisme, la préférence pour son propre, propre peuple, ce, ce que je connais. Mais le racisme, ce n'est pas ça. Hein. Le racisme, c'est la théorisation d'une division de l'humanité en races, qui sont des races secondo hiérarchisées, et qui légitiment certaines à en opprimer d'autres, de manière... Euh, on va dire, euh, sans, sans rompre avec la morale. C'est ça le racisme. Eh bien, ce racisme-là n'existe pas avant le capitalisme. Il naît, il est théorisé. Les premières théorisations naissent avec le capitalisme. E quindi nasce eh, il razzismo perché per fare accettare il massacro di popoli interi, perché appunto c'era bisogno di un'altra cosa oltre a quello che è stato detto prima, ossia di un'ideologia che giustificasse la eh, riduzione in schiavitù, il massacro e quindi la colonizzazione. In questo modo nasce il razzismo. Diversamente dalla narrazione dominante che eh, dice che il razzismo sarebbe sempre esistito, allora dovremmo pensare che eh, l'essere umano in sé è razzista, allora dovremmo pensare anche che non sarebbe possibile eh, decostruirlo e abbatterlo. Prima del capitalismo c'erano altre forme di... Ehm, Messa in dominio o sotto dominio come la xenofobia, quindi la paura di ciò che non conosciamo, oppure l'etnocentrismo, quindi la preferenza di ciò che invece conosciamo del nostro popolo. Mentre il razzismo è la teorizzazione della divisione dell'umanità in razze che sarebbero gerarchizzate e che quindi legittimerebbe alcune ad opprimerne altre. E questo razzismo non esiste prima del capitalismo. Concrètement, ça veut dire que pour que l'esclavage ait pu être possible, pour que la colonisation ait pu être possible, il a fallu faire deux choses. Faire intérioriser au peuple esclavagisé et au peuple colonisé un sentiment d'infériorité. Et c'est pour cela que la violence a été totale. La seule manière de faire intérioriser un sentiment d'infériorité, c'est dans la violence totale. Et puis il a fallu faire intérioriser au peuple des États qui allaient coloniser un sentiment de supériorité. Et ça, ça s'est traduit dans tous les aspects de la vie sociale des États européens. Ça s'est traduit dans la chanson, ça s'est traduit dans les blagues, ça s'est traduit dans les images du noir, de l'arabe, de l'asiatique, etc. Et à partir du moment où une société était en Europe, elle était irriguée. Par l'ensemble de ces éléments qui produisaient un sentiment de supériorité et empêchaient donc la rencontre égalitaire avec l'autre. Donc, la schiavitù, la colonisation est stata possible per deux motifs. Da un lato, faire interiorizzare al popolo ridotto in schiavitù et colonizzato un sentiment d'infériorité. e il modo per farlo interiorizzare, l'unico modo è la violenza e dall'altro lato far interiorizzare al popolo dei colonizzatori di essere superiori e questo si è, si è tradotto in tutto l'immaginario di tutti gli aspetti della vita, quindi dal, dall'arte alla musica a, eh, a qualsiasi aspetto della società, del mondo occidentale ed europeo e quindi una società europea irrigata di tutti questi elementi che ne impediscono quindi l'incontro con l'altro. Cela permet de tordre le cou à une idée que les classes dominantes aiment à diffuser et à mettre dans nos têtes, qui serait que le racisme naîtrait par en bas. Ce seraient les peuples qui seraient racistes. Alors qu'en réalité, cette histoire nous montre quoi Que le racisme est une production d'en haut et qui, après, irrigue la société. C'est un combat idéologique mené par les classes dominantes pour empêcher les peuples de comprendre le fonctionnement du système capitaliste et de se révolter contre lui. Et donc le racisme finit par s'implanter en bas, mais commence en haut. On le voit bien, pour prendre l'exemple français, l'ampleur aujourd'hui de l'islamophobie en France est telle qu'on a l'impression que les Français ont toujours été islamophobes. Ils avaient des images de l'arabe qui étaient négatives. Mais ce sont les campagnes du gouvernement, ce sont les discours de ministres, ce sont des lois du gouvernement qui ont transformé ces images en passage à l'acte, en mouvement, en islamophobie. E eh, partire da questo punto di vista ci permette di eh, anche andare a decostruire l'idea che viene pro propagata dalle classi dominanti, ossia che il razzismo verrebbe dal basso, dal popolo e che sarebbe il popolo ad essere razzista, mentre è una battaglia completamente ideologica che viene calata dall'alto dall per impedire ai popoli di comprendere il funzionamento del sistema capitalista e quindi di combatterlo. E quindi eh, è chiaro che si radica eh, nel popolo dal basso ma viene appunto portato dall'alto e un esempio è l'islamofobia in Francia. Eh, viene, si parla dell'islamofobia in Francia come se il popolo francese fosse sempre stato... Ehm, razzista, islamofobo, ma invece sono tutti discorsi, è il prodotto di tutti i discorsi che il governo, i ministri, eh, le leggi che vengono fatte va a costruire, quindi ha trasformato in questo senso. L'altro elemento a prendere in conto sulla questione del colonialismo è d'abord di mettere d'accordo sulla definizione del colonialismo. Sinon, on va avoir l'impression qu'il y a eu un moment colonial et qu'on en est sorti. Le colonialisme, c'est la mise en dépendance d'une économie vis-à-vis d'une autre économie. C'est ça. C'est pas la présence militaire forcément. Sinon, on ne connaîtrait pas des formes de colonialisme qu'on a aujourd'hui où il n'y a aucun soldat étranger, mais il y a quand même une dépendance. Le colonialisme, l'essence du colonialisme. C'est cette dimension de mise en dépendance. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut commencer à se poser la question, est-ce que dans la construction européenne telle qu'ils la font aujourd'hui, certains pays européens ne sont pas en train d'être colonisés Je ne sais pas jusqu'à quel degré on ne peut pas parler d'une Italie colonisée ou d'une Grèce colonisée, à partir du moment où on revient à cette définition fondamentale du colonialisme et non pas à la forme, au fond du colonialisme et non pas à la forme. Parce que la forme, elle évolue au niveau de l'histoire en fonction des rapports de force. Quindi innanzitutto è fondamentale mettersi d'accordo sulla definizione di colonialismo, altrimenti eh, dovremmo pensare che eh, c'era un movimento coloniale dal quale siamo usciti. Invece questa cosa non è così, il colonialismo eh, si basa su una condizione di messa in dipendenza, di dipendenza di un'economia nei confronti di un'altra. Sulla base di questo potremmo anche iniziare a parlare di alcuni stati europei che a loro volta sono in questo momento colonizzati. Potremmo pensare all'Italia, alla Grecia, se usiamo questa definizione nel suo mh, livello più profondo e non sulla forma, perché nella forma si trasforma nel tempo e si trasforma in base ai rapporti di forza. Se on a partire queste quelques ipotesi. Ça sera caricatural, vous m'en excuserez, mais euh, sinon il faut prendre une journée entière. Euh, de, de résumer l'histoire de ces derniers siècles, on va dire que le capitalisme naît à une date précise, de manière provocante. Je vais comme ça, parce que bien entendu, c'est un peu plus flou. Il naît en 1492, quand Christophe Hollande arrive en Amérique. Et il connaît au moins trois phases. Une première phase. Qui va donner donc à chaque fois une phase du colonialisme et une phase du racisme. La phase du capitalisme infantile, le moment où il se met en place, va donner comme forme de colonialisme, eh bien, tout simplement, la destruction de peuples entiers, l'invasion et le génocide, et la mise en esclavage. Et va donner comme forme de racisme le racisme biologique. On affirme à ce moment-là qu'il y a des races qui se distinguent par leurs caractéristiques physiques avec des races qui parce qu'elles sont noires sont les plus inférieures et les au plus on est blanc, au plus on est supérieur. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence entre ces trois moments. Et puis les peuples luttent, les esclaves se révoltent. Et là on ne peut plus continuer à maintenir les choses comme cela. On peut dater le passage de la première, du premier âge au deuxième âge. On peut le dater de 1945. Pourquoi 1945 Victoire contre le nazisme. Sachant que le nazisme, c'est quoi J'espère que je ne vais pas vous choquer. Hein Mais le nazisme, c'est quoi C'est l'application à des blancs de ce qu'on faisait aux noirs. C'est ça le nazisme. C'est la systématisation et la généralisation d'une pratique militaire, sociale, économique, qui était auparavant, dans les colonies, pratiquée vis-à-vis des colonisés. Les premiers camps de concentration sont inventés en Afrique du Sud. Les expérimentations médicales sont inventées dans les colonies allemandes de Namibie, etc. Toutes les caractéristiques du nazisme, c'est pas moi qui le dis, c'est Aimé Césaire, le grand poète, qui l'a, le premier, mis en évidence. Toutes les créations du nazisme ont d'abord été expérimentées dans les colonies. Autrement dit, c'est la colonisation qui a créé le lit du, euh, du, du nazisme. Sauf que la grande différence, c'est que cette fois-ci, ce sont des blancs qui colonisent d'autres blancs. Cette fois-ci, ce sont des blancs qui esclavagisent d'autres blancs. Et là, la cohérence du racisme biologique ne peut plus fonctionner. On ne peut plus dire qu'il y a des races qui se distinguent par des caractéristiques biologiques. Donc, le racisme va se convertir pour prendre en compte le rapport de force. Encore un de ça qu'il n'est plus possible d'avoir une affirmation raciste biologique. Pour subsister, il doit il doit muter. C'est Franz Fanon, un grand auteur qui l'a euh, le premier mis en évidence, où il dit bah, "Au capitalisme." monopoliste, donc on n'est on est plus dans le début du capitalisme, on est, on est sous l'impérialisme, on va avoir comme forme de domination économique le néocolonialisme, c'est-à-dire que les armées s'en vont, mais on a des accords économiques qui obligent ces pays à être dépendants vis-à-vis -vis de nous, et comme forme de racisme, on va avoir le racisme essentialiste, c'est-à-dire qu'on ne va plus dire... Ce sont les corps qui distinguent les races. Enfin, euh, le racisme culturalisme, on va dire, c'est les cultures. Donc on va dire, non, 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 un blanc et un noir, c'est la même chose. Sauf que la culture arabe, quand même, elle n'est pas ouverte à la modernité. Donc on va simplement faire basculer la race de, du biologique à la culture. allora dice anche un po' si rende conto che ovviamente in poco tempo si fa un riassunto dell'ultimo secolo quindi è anche un po' come dire caricaturale eh, però quindi continua diciamo in, in questa storia che sta, che sta facendo del razzismo e del capitalismo il capitalismo nasce ad una data precisa in maniera provocatrice la, eh, vuole datarlo nel 1492 c'è cioè una prima fase del colonialismo che è quello del razzismo infantilizzante, il momento in cui si mette in campo la distruzione eh, di un popolo intero con l'invasione, il genocidio, la messa in schiavitù. C'è una fase di razzismo biologico in cui si afferma l'esistenza delle razze sulla base di caratteristiche fisiche e c'è una coerenza tra questi momenti. Poi però i popoli lottano e gli schiavi si ribellano e quindi non possiamo più mantenere le cose così come sono. E eh, quindi parla di un'altra data, quella del 1945, della vittoria contro il nazismo. Il nazismo. Dice non vorrei scioccarvi, ma è l'applicazione eh, fatta ai bianchi di ciò che si faceva ai neri e la sistematizzazione e la generalizzazione di una pratica militare ed economica eh, che era fatta e sperimentata nelle colonie, i campi di concentramento, gli esperimenti venivano fatti nelle colonie del sud e ehm, la differenza eh, nel nazismo è che sono bianchi che colonizzano altri bianchi. Eh, quindi a questo punto la coerenza con una ideologia di razzismo biologico non può più funzionare, quindi il razzismo si trasforma ehm, per prendere più forza e per esistere, quindi deve continuamente mutare. E infatti eh, Fanon. Eh, parla di eh, capitalismo che eh, monopolizza una forma di dominazione economica eh, e questo è il neocolonialismo perché eh, implica che ci siano dei paesi che siano dipendenti e a quel punto si instaura un'ideologia, un immaginario che invece è il razzismo culturalista, quindi non si parla più eh, di eh, differenza diciamo sulla base di, della razza, delle caratteristiche fisiche, ma un discorso basato sulle differenze delle de culture, quindi fa l'esempio della cultura araba che quindi quando diciamo sì, sí, ma non sono come noi perché appunto hanno una cultura che è diversa, che è arretrata. Je pense aussi qu'à partir des années 90 nous entrons dans une nouvelle séquence historique qui est porteuse de grands dangers pour nous tous, mais aussi de grands espoirs à partir des années 90 se met en place avec la disparition de l'URSS la fin des équilibres qui étaient issus de la seconde guerre mondiale le capitalisme indépendamment de l'analyse que l'on pouvait faire de l'Union soviétique hein, il ne s'agit pas de dépendre de l'Union soviétique juste c'est l'équilibre qui bouge le capitalisme n'a plus aucun contrepoids il va donc avoir tendance à revenir dans sa forme pure alors qu'auparavant il était obligé de tenir compte des luttes, de tenir compte, etc. Là, il y a cette idée que ça y est, on a gagné et on peut revenir à l'essence même du capitalisme sans aucune politique sociale en remettant en cause toutes les concessions qu'on a pu donner. C'est une nouvelle ère qu'ils ont appelée la mondialisation. La mondialisation, c'est pas le développement des techniques, des ordinateurs, des réseaux, etc. C'est une série de décisions. Prise par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, qui consiste à déréguler, c'est-à-dire enlever, toutes les règles de droit qui avaient été obtenues par les luttes de libération nationale, par les luttes des travailleurs ici, et c'est ça qui se détricote à partir des années 90. Arriviamo agli anni 90, una nuova epoca storica che porta con sé anche grandi pericoli per tutti, ma anche speranze, quindi c'è la fine degli equilibri dopo la seconda guerra mondiale e il capitalismo con la fine del, dell'URSS non ha più un contrappeso, quindi ha la tendenza a tornare nella sua forma più pura. E quindi c'è l'idea nelle classi dominanti che il capitalismo abbia vinto e quindi eh, le classi dominanti rimettono in questione tutte le concessioni che sono state date nell'epoca precedente, quindi si apre una nuova fase che è quella della globalizzazione e eh, che è data appunto dalle decisioni dagli interessi che si giocano a, a livello della Banca Mondiale, dell'Unione Europea che va a deregolamentare e a eliminare tutti i diritti ottenuti fino tutte le conquiste ottenute fino ad allora grazie alle lotte. Sa, sa va a nous donner quoi au niveau des trois che sono il capitalismo, il colonialismo e il razzismo. A livello di capitalismo Eh bien c'est le passage au capitalisme financier. À partir du moment où vous en avez toutes les toutes les règles, toutes les normes de droit, à partir du moment où c'est le règne sans limite du profit, sans plus aucune limite, eh bien, vous passez inévitablement au capitalisme financier, c'est-à-dire un capitalisme qui va là où le profit est maximum, sans tenir compte des conséquences. Donc on va désinstrualiser les pays. Et puis on va aller en Afrique, et puis après on va trouver que l'Inde c'est encore moins cher, et bien on va désindustrialiser l'Afrique pour aller en Inde. C'est-à-dire que le capital se promène en fonction uniquement de ses intérêts. Ça, c'est ce que j'appelle le capitalisme sénile. Il n'apporte plus rien. Même si le capitalisme a toujours été négatif, on pouvait dire sur certains aspects, il avait apporté l'industrialisation, etc. Là, il est sénile, il n'apporte plus rien, il n'est basé que sur le profit financier. Au niveau de la forme de colonisation, on va aussi avoir une innovation. Pour pouvoir faire cela, il faut faire éclater tous les cadres nationaux qui pourraient résister. Tous les États qui, dis, qui disposent d'une superficie suffisante pour être autonomes, si jamais demain il y a un mouvement social fort, eh bien on va le diviser. Le Soudan a été divisé en deux, la Somalie est divisée en trois, la Libye, on n'en parle même pas, c'est une série de, de fiefs, etc. La Syrie, on a essayé de faire la même chose. Quand vous regardez tous les endroits dans lesquels il y avait des États qui avaient une superficie et des richesses qui leur auraient permis éventuellement un jour de résister à l'impérialisme, on les coupe en morceaux. Et donc, cette Balk donc, euh, dans la forme de, euh, de colonisation, c'est ce que j'ai appelé la balkanisation. Nous sommes à l'ère de la balkanisation. Tous les États qui ont une superficie et des ressources économiques leur permettant un jour de résister sont éclatés. Quindi cosa ci dicono questi tre livelli del capitalismo, del colonialismo e del razzismo sul livello del capitalismo? c'è un passaggio quindi al capitalismo finanziario perché appunto eh, c'è la deregolamentazione non c'è più limite al profitto e il capitalismo va laddove il profitto è al massimo quindi tutto quello che consegue dalla deindustrializzazione, dalla delocalizzazione in Africa e in altri stati del sud eh, il capitale va dove ci sono i suoi interessi e questa fase poi la chiama del capitalismo senile lo chiama così perché non ha più niente da offrire ma solo provare a ottenere il maggior livello di profitto. E poi c'è il livello che riguarda la forma del colonialismo e, ehm, e quindi quello che viene fatto è far esplodere tutti quegli stati che dispongono di un territorio che potrebbe essere potenzialmente in capacità di diventare autonomo. Eh, quindi parla della Libia, della Siria, di altri stati, e quindi si lavora per dividerli, per evitare che ci sia la possibilità. Euh, de résister à l'impérialisme. Et donc, il si d'ère d'une balkanisation. Il reste le troisième larron, le racisme. Eh bien, on va inventer une nouvelle forme de racisme que j'ai proposé d'appeler le racisme civilisationnel, puisque ça a été théorisé au niveau des États-Unis par un conseiller du gouvernement étatsunien qui s'appelle Huntington, qui a écrit son livre Le choc des civilisations, dans lequel il explique. Et ça a été repris après comme doctrine officielle des États-Unis. Et ça a été importé par l'Union européenne, qui assume ouvertement cette théorisation, que aujourd'hui les conflits ne sont plus des conflits liés à l'économie. Ce seraient des conflits liés à des oppositions civilisationnelles. Et il cite quelle civilisation Et il les cite comme ennemis, bien entendu, la civilisation orthodoxe. Vous avez la guerre, la, la guerre en Ukraine. La civilisation confucéenne, vous avez toute la stratégie d'encerclement de la Chine. Vous avez la civilisation arabo-musulmane, vous avez l'islamophobie. Autrement dit, le racisme va s'adapter et il va se transformer en racisme contre des civilisations. C'est pour cela que le vieux, le vieux racisme anti-arabe est devenu l'islamophobie. Et c'est pour cela qu'on a un racisme énégrophobe, un racisme islamophobe. Et si demain les contradictions augmentent avec la Chine, vous verrez apparaître un racisme sur le péril jaune, les Asiatiques qui nous menacent, etc. quindi si parla di una nuova forma di razzismo, razzismo civilizzatore che viene teorizzato dal, negli Stati Uniti d'America, si parla di shock delle civiltà e questa viene ripresa come dottrina ufficiale statunitense e portata anche in Europa. Oggi i conflitti, secondo questa eh, dottrina, non sarebbero più legati all'economia, ma sarebbero legati all'opposizione eh, tra civiltà diverse, quindi eh, parliamo di civiltà ortodossa e l'esempio è la guerra in Ucraina con Parliamo de Cina, arabo-musulmane, et parliamo d'islamophobie, et racisme se transforme in questo mode. Alors, cette mutation des années 90, elle va complètement changer le rapport à l'immigration. Puisque, auparavant, l'immigration intéressait les pays industrialisés, les pays capitalistes et impérialistes euh, d'Europe et, et, et d'Amérique, elle les intéressait pour les faire venir ici afin de créer une strate surexploitée dans la classe ouvrière. Ça, c'était le modèle avant 90. À partir du moment où on a détruit toutes les règles douanières, où on a, on a permis la libre circulation des profits, des investissements, sans, que, sans, sans aucune entrave, on n'a plus besoin d'importer cette main-d'oeuvre, on a au contraire besoin de la fixer sur place. Et vous allez avoir... Toutes les théorisations sur la fermeture des frontières. Avant 90, ils ne parlaient pas de fermeture des frontières. C'est depuis 90 qu'ils nous parlent de la fermeture des frontières. Parce que leur modèle économique, c'est d'aller surexploiter là-bas, maintenant que c'est possible, puisqu'on a dérégulé l'ensemble de l'économie mondiale. Mais cela, c'est un aspect de la politique migratoire. Vous allez me dire, il y a quand même des immigrés qui arrivent. Oui, il y a des immigrés qui arrivent. Mais tout simplement parce qu'on ne peut pas tout délocaliser. Quand vous regardez où travaillent les sans-papiers, vous allez vous apercevoir qu'ils travaillent dans ce qui n'est ne, pas délocalisable. Si, si c'est la restauration, vous n'allez pas aller ouvrir un restaurant à Dakar. C'est ici qu'il y a des clients. Euh, la question du bâtiment, c'est ici qu'on construit, etc. Et donc, tous les secteurs économiques dans lesquels on ne peut pas délocaliser, on va continuer à faire venir de la main-d'œuvre. Mais on va continuer à faire venir de la main-d'œuvre en créant une situation juridique qui l'amène à accepter un travail d'esclave. Les changements des lois sur l'immigration n'ont qu'une fonction doter ces secteurs-là d'une main-d'œuvre qui est surexploitable. e quindi questo cambiamento degli anni 90 va a cambiare anche il rapporto all'immigrazione, prima l'immigrazione interessava i paesi industrializzati per eh, far venire manodopera per creare quindi fasce di proletariato eh, ultrasfruttato, ma con appunto questa deregolamentazione, la libera circolazione dei profitti no, e la delocalizzazione, non abbiamo più bisogno di importare questa manodopera, ma di lasciarla sul posto e allora si parla di chiusura delle frontiere. Comunque come sappiamo, ci sono dei flussi migratori perché non, non è tutto delocalizzabile. Ma eh, come sappiamo, i migranti lavorano negli ambiti più sfruttati, come la ristorazione, l'ambito edile, e dove non possiamo quindi delocalizzare. Quindi si creano delle situazioni giuridiche, delle condizioni che obblighi ad accettare un lavoro di, da schiavi. è enorme. è enorme perché. Eh... Il n'y a aucune volonté d'expulser les sans-papiers, contrairement à ce qui nous est dit. Il y a la volonté d'en expulser un certain nombre pour créer un climat de peur qui les empêche de revendiquer, d'être reconnus à égalité des droits avec les autres travailleurs. C'est ça, c'est une politique de pression. Si je prends l'exemple français, j'ai calculé que s'ils devaient... En prenant le chiffre d'expulsion, le maximum qui a été fait, eh bien, il faudrait 16 ans pour expulser l'ensemble des sans-papiers. Donc, il n'y a aucun réalisme là-dedans, parce que ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que la masse des sans-papiers accepte leur sort et n'exige pas la régularisation. Eh, la sfida è enorme perché non c'è una reale volontà dei governi di eh, espellere i migranti, c'è la volontà di espellere una parte per creare un clima di paura, di propaganda, in una politica di pressione. Per esempio in Francia eh, ho preso questa cifra eh, del, del picco massimo di espulsioni che ci sono state, ci vorrebbero 16 anni per eh, andare verso l'espulsione della totalità, ma eh, il punto è che la massa di eh, San Papier, donc d'immigrants sans documents, doivent rester et doivent accepter les conditions imposées. Autrement dit, la stratégie des classes dominantes aujourd'hui en Europe, comme aux États-Unis, c'est de stratifier le monde du travail en une, en, dans le maximum de couches, avec le maximum de statuts, pour éviter les prises de conscience communes. Et la couche la plus basse, eh c'est celle qui n'a pas de papier parce qu'elle ne peut rien revendiquer. Donc on est dans une logique globale dans laquelle les sans-papiers sont en réalité le révélateur, le miroir grossissant de ce qui est en œuvre pour l'ensemble des travailleurs. E quindi la strategia delle classi dominanti è di stratificare al massimo il mondo del lavoro, eh, in tutti gli strati eh, sociali, e eh, dividere per evitare una presa di coscienza collettiva. E lo strato più basso è quello dei sampapiedi, quindi eh, una, una composizione che rivela ciò che invece aspetta tutta la classe lavoratrice, dei lavoratori e dei proletari. E' a questo livello che appare il razzismo sistemico. On a bien vu qu'historiquement, le capitalisme et le racisme vont ensemble. Ça, c'est pour l'histoire. Pour le présent, comment faire accepter la présence de voisins, nos voisins, qui n'ont pas les mêmes droits que nous, qui se retrouvent dans la précarité absolue Qu'est-ce qui fait que c'est acceptable Eh bien, de nouveau, comme au début du capitalisme, la diffusion de toute une série d'images, de représentations qui font que je ne perçois pas mon voisin comme faisant partie de ma classe sociale, des mêmes intérêts que moi, etc. Le racisme systémique n'est pas un hasard, c'est une production, un besoin du capitalisme aujourd'hui qui, qui, qui doit amener l'Italien moyen à, à considérer que l'Éthiopien qui est son voisin, n'est pas de la même nature que lui, ne peut pas être perçu comme ayant les mêmes intérêts, mais comme étant quelqu'un qui fonctionne différemment. E quindi a questo punto, su questo livello, appare il razzismo sistemico, quindi eh, oggi come si fa ad accettare la presenza eh, di una marginalità, della precarizzazione, della messa eh, in schiavitù, in sfruttamento di eh, quelli che possono essere i nostri vicini, come fa questo ad essere accettabile? Allora si ritorna a costruire un immaginario che fa sì che non si percepisca eh, quella parte come stessa parte, come... la mia stessa classe. Donc, le racisme systémique est un besoin, une nécessité du capitalisme aujourd'hui pour riprodursi. C'est pour ça que c'est vraiment essentiel de distinguer l'antiracisme moral de l'antiracisme politique. L'antiracisme moral est très, très répandu c'est l'antiracisme qui consiste à dire que ce n'est pas bien d'être raciste il faut aimer les hommes, il faut s'aimer les uns les autres, etc. cet antiracisme là, il est complètement compatible avec le capitalisme. Les, nos états n'arrêtent pas d'être dans cet antiracisme moral. ils peuvent vous faire des campagnes sur cet antiracisme là. mais ce n'est pas cet antiracisme là qui détruit les êtres humains. ce n'est pas celui-là. si mon voisin m'aime pas parce que je suis arabe, ça ne change pas ma vie. Je lui en voudrais peut-être, je ne lui parlerai pas. Mais ça ne change pas ma vie. Par contre, s'il y a une loi qui me donne moins de droits que ma voisine, ça change ma vie. Par contre, si quelqu'un qui a le pouvoir à la mairie de ne pas traiter mon dossier ou de le mettre de côté, ça change ma vie. Autrement dit, c'est quand le racisme rencontre le pouvoir qu'il devient... Réellement destructeur. C'est le lien entre racisme et pouvoir qui fait le racisme systémique. Quand les États prennent des lois racistes, quand les administrations ont des pratiques racistes, quand la police a des contrôles diffé euh, euh, différents en fonction de la couleur, là, vous êtes dans de la politique d'État. C'est le système qui parle. C'est pas, j'aime pas les Arabes ou j'aime pas les Noirs ou j'aime pas les Musulmans. C'est autre chose qui s'exprime, c'est une politique d'État. E quindi bisogna fare una differenza tra quello che è l'antirazzismo morale e l'antirazzismo politico. Eh, quello morale è quello per cui tutti si definiscono antirazzisti, bisogna amarsi l'un l'altro ed è assolutamente compatibile con il capitalismo e gli stati stessi e i governi fanno delle campagne su questo tipo di antirazzismo, ma non è questo antirazzismo che distrugge ed è violento, ma ciò che cambia sono le condizioni oggettive, le leggi che cambiano effettivamente la vita. Delle persone, quando il razzismo quindi incontra il potere diventa veramente distruttore e quindi qua si parla di razzismo sistemico perché lo Stato ha, adotta delle pratiche razziste in tutte le sue articolazioni, quindi la polizia e eh, gli apparati burocratici e quindi è il sistema che determina il, il razzismo. Io non conosco le cifre per l'Italia, ma vi dare le cifre per la Francia. En France, on a 30% des classes populaires, pas de la société française, des classes populaires, c'est-à-dire ouvriers et employés, d'après les statistiques de l'INSEE, hein, les statistiques officielles. 30% qui sont issus de l'immigration postcoloniale. Vous comprendrez pourquoi c'est essentiel pour la classe dominante en France de créer un clivage entre ces 30% et les 70%. Ces 30% ne sont pas dans n'importe quel secteur. Ils sont dans des secteurs stratégiques. Il n'y aura aucun changement social important en France si le racisme s'installe dans la classe ouvrière. Et c'est pour cela qu'il y a des lois islamophobes. C'est pour cela que des ministres tiennent des propos de ce type-là. C'est qu'ils ont bien conscience que le grand danger pour eux, c'est que des gens qui n'ont pas, pas les mêmes statuts se rendent compte qu'ils ont les mêmes intérêts. E, eh, in Francia eh, ad esempio c'è secondo le statistiche mh, ufficiali il 30% delle, della classe popolare eh, proviene da eh, immigrazione postcoloniale e quindi è chiaro che per il governo e lo Stato sia fondamentale creare distanza tra questo 30% e il restante, la restante parte della classe popolare perché questa parte sta in dei settori strategici e eh, Chiaramente il vero rischio per lo Stato è che queste persone eh, si capiscano di far parte della stessa classe e si uniscano sugli stessi interessi. C'est pour ça que être antiraciste et ne pas être anticapitaliste, eh bien, c'est rater quelque chose. C'est ne pas pousser la logique jusqu'au bout. Mais à l'inverse, être anticapitaliste. et ne pas comprendre l'importance du combat antiraciste comme du combat anticolonial, puisque ça va ensemble tous les trois, eh bien, c'est, en réalité, être un anticapitaliste que j'appellerais édenté, sans dents. Donc, être antiraciste sans être anticapitaliste signifie oublier, oublier quelque chose, mais, à l'inverse, si on est anticapitaliste sans comprendre la lutte antiraciste et anticoloniale, si est... Euh, No. Senza denti, <ride> eh, allora dice se vogliamo fare un attimo di insomma, domande, se ci sono delle riflessioni per entrare un po' in relazione con quanto detto finora. En 1958, a lieu, dans le courant des luttes de libération nationale, a lieu un congrès important qui réunit tous les mouvements de libération nationale en Afrique. C'est le congrès d'Akra, dans lequel il y a tous les peuples qui ont pris les armes et qui se réunissent pour essayer de comprendre leur avenir. Et quand ils abordent la question de la coopération internationale, 58, hein, ils disent c'est un outil de l'impérialisme. Autrement dit, et je pense que c'est encore vrai, je vous le dis tel quel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas telle personne qui est sincère quand il va faire de la coopération internationale. Il y en a plein qui sont sincères. Mais le système lui-même, il entre dans la phase en réalité du néocolonialisme. C'est une des manières de maintenir en dépendance les pays. Est-ce qu'une coopération serait possible autrement Mais pourquoi on ne s'appuie pas sur des organisations Local. Pourquoi on a besoin de faire venir des gens qui viennent d'ici pour aller apprendre à des sauvages, peut-être qu'ils ne qu peuvent pas maîtriser les techniques agricoles, etc. Donc c'est bien un système dans lequel on estime qu'il n'y a que nous qui pouvons les sauver. On n'estime pas que notre coopération doit partir des réalités locales et de leurs propres organisations. Mais ça, ça s'inscrit dans quelque chose de plus large encore, qui est ce que certains auteurs ont appelé le sauveur blanc, qui existe dans le monde militant. Hein. Vous savez, celui qui vient, qui est antiraciste, qui va dire :« Mais mon association, mon organisation politique, elle est ouverte aux camarades immigrés, et on va tout faire pour qu'ils soient là. » Et après, qui se pose la question :« Mais pourquoi ils restent pas ?» Sans s'interroger sur son comportement. Celui qui sait mieux que les immigrés, ce qui est bon pour eux, quelles revendications avoir, etc. Celui qui vient donner des leçons. Ça, ça a déjà été dénoncé par le mouvement féministe avant, où il y avait des hommes qui savaient mieux que les femmes ce qui était important pour elles. Et donc, la coopération internationale, c'est cette logique-là qui a quand même une supériorité du blanc, même en allant aider de manière altruiste l'autre. Donc pour moi, ça fait partie des mécanismes de dépendance. En Palestine, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, ça s'est payé très cher. En Palestine, euh, maintenant ils en sortent, hein, mais ils en sortent après en avoir débattu fortement. En Palestine, il y a eu un moment dans lequel l'argent est arrivé en masse. Pour faire accepter le silence des États occidentaux, on a financé. Les reconstructions. On est quand même en Palestine dans un truc qui est assez extraordinaire, c'est que on laisse Israël tout détruire, puis après on donne des fonds pour reconstruire. L'Union européenne en particulier, c'est le principal financeur, donne des fonds, des, des, des fonds pour reconstruire, continue à avoir des liens avec Israël qui va redétruire et on va de nouveau reconstruire. Et ça s'est passé en particulier par le développement des ONG. Et le développement des ONG dans les années 80. Ça a fait une véritable catastrophe parce que ça a inspiré de très, très nombreux leaders qui, pour survivre, se sont retrouvés salariés des ONG avec, du coup, ben, l'obligation d'être un peu moins révolutionnaire, un peu moins anti-israélien, un peu moins euh, radical, etc. Et donc, ça a été un outil pour essayer de calmer la résistance palestinienne. Allora, Nel 1958 eh, c'è stato un congresso ad Accra dove si sono riuniti i popoli eh, delle lotte di liberazione e eh, lì è stata già posta la questione della cooperazione internazionale e lì è stato detto che è uno strumento dell'imperialismo. Penso sia ancora vero perché eh, in questo senso il sistema entra nella fase di neocolonialismo perché eh, diventa uno strumento, una maniera di mantenere la dipendenza tra i paesi. Eh, ci si chiede perché non ci occupiamo delle organizzazioni locali, perché dobbiamo mandare persone che vanno a insegnare ai selvaggi come salvarsi. Eh, non pensiamo invece che la cooperazione debba partire dalle realtà locali. Si parla di Salvatore Bianco e questa cosa esiste anche nel mondo militante, quindi, colui che arriva ed è antirazzista, che eh, apre la sua organizzazione e poi non si interroga su tutta una serie di questioni. E questa, questo aspetto è stato denunciato nel, nella storia anche dal movimento femminista nei confronti degli uomini che devono dare lezioni. Quindi, eh, si parte da un presupposto che c'è una superiorità dei bianchi, che fa parte quindi dei meccanismi di dipendenza. In Palestina ad esempio ad un certo punto è arrivato un uh, flusso di denaro e per far accettare quindi l'ingerenza occidentale israeliana si sono dati uh, fondi per ricostruire dopo che Israele ha distrutto. Quindi uh, l'Occidente invia fondi per uh, ricostruire ciò che Israele ha distrutto e mantenendo legami con Israele e quindi andando continuamente ad alimentare questo circolo. E... Uh, in questo periodo le ONG negli anni 80 hanno anche eh, fatto tutto un lavoro di eh, sussunzione dei leader di movimenti di liberazione proprio anche per andare a eh, creare una situazione di pace sociale, di, di calmare appunto la, la situazione. Non so se ci sono altre domande. Ma allora magari facciamo una domanda a noi eh, rispetto appunto alla questione eh, della... Della Palestina eh, che veniva citata adesso e, e riprendendo anche un po' quello che si diceva inizialmente, eh, come in questa fase storica possiamo quindi intendere ehm, il 7 ottobre e oltre il 7 ottobre una possibilità anche per andare a decostruire e ad aprire delle possibilità eh, di lotte di liberazione anche all'interno di quello che è il mondo dove siamo collocati noi quindi nella dimensione eh, occidentale e eh, effettivamente anche mh, in maniera concreta diciamo provare un po' ad entrare nel merito di, di questa questione qua da, prenons bien la mesure de ce que c'est que la situation en Palestine. La situation en Palestine, c'est en réalité les oppressions que nous vivons poussées dans l'absolu. C'est-à-dire que c'est la domination totale. C'est la caricature, l'image grossissante de ce qu'on peut vivre un millième de fois moins, un millionième de fois moins. Donc la, la Palestine, c'est la caricature de ce qu'est... Le capitalisme débridé, c'est le rêve de tout capitaliste que de, de, que de pouvoir avoir une situation comme en, en Palestine. Ça veut dire que les formes de résistance qui émergent en Palestine, eh bien, on a beaucoup à en apprendre. Si vous regardez sur les, depuis 1948, on a vu une multitude de formes de résistance arriver. À chaque fois qu'on pensait que c'était mort, le peuple palestinien a trouvé des modalités pour rebondir. Quand la résistance armée a été quasiment détruite, parce qu'il y a eu une période où c'était comme cela, eh bien, on a eu l'intifada. Qu'est-ce que c'est que l'intifada C'est le peuple qui prend conscience que ces organisations de résistance armée ne peuvent plus le faire là, maintenant. Eh bien, c'est le peuple spontanément qui a pris le relais. On a connu ça dans d'autres luttes de libération nationale. En Algérie, quand le FLN, l'armée de libération nationale, a été battue en 1960, quand je dis a été battue, c'est-à-dire qu'on a fait la, le massacre des résistants. C'était la bataille d'Alger, ça a été les tortures, etc. Eh et bien, on a vu, personne ne l'a vu venir, en deux nuits, le peuple algérien, femmes, enfants, vieillards, et descendu dans la rue. Comme s'il avait compris que sa résistance, elle était menacée de mort et qu'il fallait trouver de nouvelles forme. Donc, les formes de résistance qu'a trouvées le peuple palestinien, euh, ben, c'est des leçons énormes pour nous. Après, genre, Allora, la situazione in Palestina è in realtà ehm, l'apoteosi eh, delle oppressioni che viviamo con eh, il capitalismo, che sono spinte all'assoluto e alla dominazione totale, e quindi è la, il sogno di tutti i capitalisti eh, avere una situazione come la Palestina. Quindi, eh, dalle forme di resistenza che emergono in quel territorio, abbiamo da imparare. Dal 1948 in avanti abbiamo visto diverse forme di resistenza, il popolo ha trovato sempre nuove forme per rilanciare anche quando c'erano dei momenti di difficoltà. L'intifada è quello che insegna, ossia il popolo che ha preso coscienza della necessità quindi di eh, riprendere protagonismo. In Algeria, nel 60, col, dopo la battaglia di Algeri, il popolo algerino è sceso in strada perché aveva capito che si rischiava di andare a eh, far morire quella resistenza e quindi prendere eh, il proprio posto. La prima lezione che si può dire è che il popolo. Les militants sont parfois pressés. On comprend, on a envie d'aller vite. Mais il faut faire confiance au peuple. Les peuples résistent toujours. Pas forcément au moment où on le souhaiterait, pas forcément dans des formes telles qu'on l'a lu dans nos livres politiques. Mais face à l'oppression, il y a toujours résistance. Et donc ici aussi, nous aurons en Europe des formes de résistance nouvelles qui vont apparaître. À nous d'être à l'écoute de ces formes de résistance et de ne pas venir les juger en disant c'est pas dans la bonne forme. Je dis ça en, euh, avec l'expérience de la France. Quand le mouvement des gilets jaunes est apparu, on a eu plein de débats dans les mouvements de gauche et d'extrême gauche, disant mais moi bon, c'est pas clair, euh, leurs revendications sont pas claires, ça va pas assez loin, etc. Et donc je pense que la première leçon, en tout cas, si les militants en Palestine avaient désespéré de leur peuple, ils n'auraient pas été capables de rebondir à chaque fois que leur peuple a rebondi. Je pense que la première leçon, c'est ça faire confiance à nos peuples. La prima lezione è che bisogna avere fiducia e dare fiducia al popolo i militanti molto spesso hanno fretta sentono dell'urgenza ma eh, il popolo resiste, trova delle forme per resistere davanti all'oppressione e molto spesso non sono le forme che conosciamo e che riconosciamo rispetto alle forme classiche che leggiamo sui libri di, di storia, di politica eh, ma eh, noi quello che dobbiamo fare è ascoltarle, comprenderle e non giudicarle e fare Esempio in Francia dei gilet gialli, quando appunto ci sono stati moltissimi dibattiti negli ambiti di movimento della sinistra che appunto eh, storcevano un po' il naso perché era una situazione, una composizione non chiara che non era eh, pura. E eh, quindi la prima lezione è proprio quella di eh, avere fiducia: se i militanti non avessero fiducia nel popolo, non si potrebbero eh, creare le condizioni e la possibilità di ampliare le forme di resistenza. C'est tout le débat sur, euh, qui est posé sur le Hamas. On a tout un débat ici en Europe, oui, mais le Hamas est religieux, etc. Les peuples se révoltent comme ils peuvent. Peut-être que demain nous aurons en Europe des révoltes religieuses, au niveau de la forme, mais qui en dessous, en dessous, véhiculeront des revendications sociales, qui ne trouvent pas à s'exprimer autrement aujourd'hui. Et donc, il faut être à l'écoute des peuples et pas dans le jugement des peuples. Et ça, c'est vraiment une leçon d'humilité que les militants doivent avoir. Trop souvent, on a l'idée que nous, nous avons la vérité et qu'on va aller dire au peuple ce qui est bon pour eux. Les militants ont un rôle à jouer dans justement le travail de généralisation, systématisation, faire connaître les luttes, etc. Mais ce sont les peuples qui font les révolutions. En tout cas, c'est ce que montre le peuple palestinien. Ce ne sont pas les militants qui font les révolutions. Les militants, ils accompagnent des révolutions, ils sont présents, mais ce n'est pas eux qui les font. Les militants n'ont jamais tout seuls fait des révolutions. Fa un altro esempio che è quello del dibattito su Hamas, eh, il dibattito ovviamente che c'è in Europa, eh, si parla di Hamas e quindi poi si parla eh, dicendo che eh, Hamas è qualcosa che è, è nell'ambito della religione, che è un fondamentalismo, eh, ebbene i popoli si rivoltano come possono. Uh, magari su un livello di forma potremmo vedere anche alle nostre latitudini delle rivolte che uh, potrebbero essere definite religiose ma che nel profondo portano a delle rivendicazioni che sono sociali e che non trovano altre forme di espressione. Quindi quello che eh, devono capire i militanti da questa insomma, la lezione che ci dà la Palestina anche su questo è che i militanti non hanno la verità eh, in tasca e che possono andare insomma, a, a dire ai popoli cos'è buono per loro. Ma eh, ovviamente c'è tutto un lavoro di eh, sistematizzare, di accompagnare, di dare strumenti, eh, di eh, dare strumenti per eh, lo scambio, per la conoscenza, per l'organizzazione, ma non sono i militanti che fanno le rivoluzioni. Eh, non c'è stata mai una rivoluzione di militanti da soli, le, i militanti le accompagnano, ma ci vuole appunto il popolo. la on n'a pas à opposer les différentes formes de lutte. Dans tout mouvement de transformation, il y a différentes formes de lutte qui émergent. Trop souvent, on est dans des oppositions à toi tu es pour la lutte armée, moi je suis pour la lutte non violente, donc on est ennemi. Ce qu'on montré le pape palestinien, c'est au contraire que à partir du moment où il y avait unité sur la cible, sur l'objectif, toutes les formes de lutte possibles était intéressante et était à développer. Dans le même moment où il y avait des formes de lutte pacifique, les militants qui faisaient les formes de lutte pacifique disaient « Mais on soutient aussi la résistance armée. » Et donc, il n'y a pas à opposer les différentes formes de lutte. Et il faut qu'on arrête les débats qui sont des débats théoricistes, des débats où on aime bien passer des nuits entières sur c'est quoi la bonne forme de lutte, etc. Il faut développer toutes les formes de lutte possibles de... Uh, Della de piccola occupazione de di logement a domani, magari delle azioni più radicali, ma in ogni ça non si oppone. Dobbiamo avere chiaro che non bisogna opporre diverse forme di lotta, in tutti i movimenti di trasformazione ci sono diverse forme di lotta che devono andare insieme. Eh, in Palestina quando c'è stata eh, unità sull'obiettivo, sulla pratica di un obiettivo, allora tutte le forme di lotta eh, sono diventate interessanti. Eh, chi eh, porta avanti lotte pacifiche allo stesso tempo lo fa eh, dicendo che sostiene anche la resistenza armata. Quindi dobbiamo smettere eh, con i dibattiti eterni su quale sia la forma più giusta di lotta, ma sono tutte... Ehm, Devono andare tutte insieme, sono tutte legittime, dalla piccola occupazione di casa alle forme più radicali di trasformazione e non devono essere messe in opposizione le une alle altre. In Palestina, dans les formes de lutte, par exemple, è apparuta una forma di lutte qu'on n'a pas vu apparaître ancora ici, che è una forma di lutte psicologica. Comment immaginare ça? Ce, ce peuple. A eu, dans les moments les plus difficiles, a eu à se poser la question de comment tenir. Quand on est en phase offensive, quand il y a des grèves, des mouvements, etc., vous vous dites ça va, vous n'avez pas à vous poser la question de comment tenir. Mais quand sur plusieurs années, vous êtes victime d'attaques, de meurtres, d'assassinats, et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, se pose cette question-là. Et ils ont fait émerger un terme qui est venu du peuple et qui est devenu. Qui s'est répandu partout et qui est devenu une attitude. C'est le saumoud. Ça veut dire, si on, traduit, si on essaye de traduire, c'est serrer les poings et tenir bon. Autrement dit, il y a une période de reflux. Il ne faut pas qu'on désespère il faut attendre la nouvelle offensive. Et ça, on voit bien que c'est les peuples qui peuvent inventer ça ce pas les militants qui peuvent inventer ça ça ne peut venir que d'en bas. In Palestina, ad esempio, è apparsa una forma di lotta che eh, non vediamo altrove, eh, la definita psicologica. Come possiamo definire questa cosa? Nei momenti eh, più difficili si pone la questione di come tenere, e ehm, ovviamente nei momenti di alta, eh, in cui ci sono anche ad esempio mh, alle nostre latitudini, momenti di movimento forte, di scioperi, di avanzamento, allora non si pone la, la questione di come tenere, ma quando eh, poi si arriva a passare degli anni in cui ci, ci sono eh, morti, c'è la devastazione, allora si pone questa questione e eh, questa cosa è diventata una vera e propria attitudine. Eh, che, eh, la parola la puoi, tu puoi ripetere la, le mots per « Sumud » veut dire « serrer les rangs et tenir, et aller en avance ». Donc, dans les périodes de reflux, il faut attendre la nouvelle offensive et ça ne peut venir dal bas. Autrement dit, il faut nous préparer, il faut préparer nos enfants aux périodes dans lesquelles nous sommes en régression, dans lesquelles ils sont à l'offensive. L'autre leçon, c'est l'organisation par en bas. L'organisation par en bas. Ici, dans nos médias, on va nous parler des attentats du Hamas. Mais les attentats du Hamas ou les attentats du, du FPLP, c'est une des formes de lutte et elle n'est possible que parce que le peuple palestinien est hyper organisé par en bas. Si vous allez en Palestine, les collectifs sont partout. Dans, comment vit un camp de réfugiés Il y a des collectifs pour l'alimentation, il y a des collectifs pour pour la communication, il y a des collectifs pour quasiment, ce sont des groupes qui prennent en charge les besoins individuels. Autrement dit, c'est en s'appuyant sur des organisations le plus possible par en bas que ça tient en Palestine. Sinon, il suffit de décapiter une organisation politique pour que ça disparaisse. Or là, on voit bien, ils ont décapité, il y a d'autres têtes qui repoussent. E poi l'altra lezione è quella dell'organizzazione dal basso. Eh, nei media si parla degli attentati di Hamas che è una forma di lotta che è stata possibile soltanto perché c'è un'organizzazione dal basso che permette eh, determinate eh, espressioni. I collettivi in Palestina sono ovunque, anche all'interno dei campi rifugiati ci sono gruppi collettivi che si prendono in carico i bisogni individuali e li portano avanti sui diversi aspetti eh, della vita. Pourquoi en Palestine tiennent autrement altrimenti basterebbe decapitare une organisation politique pour faire finir la résistance d'un peuple, mais nous voyons que non est così. Et pour faire le lien avec la question sur la coopération internationale, plutôt que d'envoyer des, euh, des ONG européennes en Palestine pour mettre en place des activités, peut-être que simplement financer ces collectifs de base. è uh, meglio che de pagare dei salari de di persone che vengono d'ici e che apportano la loro mentalità là-bas e quindi per fare anche il legame con la questione della cooperazione internazionale invece che inviare europei in palestina per fare attività lì allora finanziamo collettivi di base che hanno bisogno di portare avanti le loro attività l'altra lezione per noi che mi sembra essenziale qui è la questione della trasmissione Les différentes générations en Palestine connaissent l'histoire des générations précédentes. On voit bien quand on fait la chronologie des formes de lutte que chaque séquence, elle est basée sur un bilan de la séquence précédente. C'est quand, quand la lutte armée, à un moment donné, n'était plus possible qu'a eu lieu l'intifada. C'est quand l'intifada est arrivée à ses limites qu'est réapparue la lutte armée. Donc on voit bien qu'il y a une transmission des générations militantes et que... Euh, pas ch Chaque génération ne, ne vient pas réinventer l'ensemble des formes de lutte. C'est ce que j'appelle, dans, dans, dans un de mes livres, avoir une transmission militante cumulative. Sinon, il va encore avoir des luttes. Hein. Tant qu'il y aura de la domination, il y aura des luttes. Mais les jeunes de 20 ans qui se mettent en lutte, s'il n'y a pas eu transmission, ben, ils referont les mêmes erreurs, auront les mêmes débats et recommenceront les mêmes impasses que celles des générations d'avant. E quindi è trasmettendo l'esperienza delle generazioni precedenti che abbiamo un'esperienza cumulativa che ci permette di andare più lontano. E l'altra questione fondamentale è quella della trasmissione, quindi del passaggio delle, della conoscenza della storia che di generazione in generazione in Palestina avviene, della storia del proprio territorio, della storia della lotta di liberazione e così eh, avviene e fa in modo che eh, se nel momento in cui non è più possibile portare avanti la lotta armata e c'è l'intifada, poi non è più possibile, eh, a quel punto si eh, torna appunto a eh, ricambiare le proprie forme di lotta. Ogni generazione non deve reinventarsi, ma c'è una trasmissione che, come Said ha scritto anche in un suo libro, una trasmissione militante che deve essere cumulativa, e che quindi eh, è ovvio che ci saranno sempre lotte fino a che ci sarà oppressione. Ma eh, le giovani generazioni devono conoscere la storia delle generazioni precedenti per non rifare gli stessi errori e per andare in avanti. Mentre si on la Palestina. à ce qui se passe dans le reste du monde et qu'on compare à ce qui se passe en Europe, eh bien on a un autre regard encore, une autre leçon qui nous vient. Parfois ici, nous avons l'impression que rien ne bouge, que ça n'avance pas, que nous sommes en régression permanente. C'est une erreur de lecture. C'est un regard eurocentré. Les peuples bougent depuis maintenant 20 ans. Il y, a eu, il y a eu près de 20 ans après la chute de l'Union soviétique et les, ce que je disais tout à l'heure sur la disparition des équilibres mondiaux. Il y a eu près de 20 ans de recul, mais ça fait maintenant une vingtaine d'années que les luttes se redéveloppent. Regardez en Afrique. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso virent l'armée française, demande à l'armée française de partir. Et l'armée française est obligée de partir. Et nous ne nous trompons pas, pas. Derrière la France, c'est l'Europe. C'est l'ensemble des intérêts européens. Qui sont remis en cause. Le Niger fait la même chose avec les États-Unis, demande à l'armée étatsunienne de partir. Les mouvements qui demandent la sortie du franc CFA touchent l'ensemble des pays qui ont aujourd'hui cette monnaie. Dans le même temps dans le monde, vous avez, même si euh, c'est pas des révolutionnaires, mais vous avez la mise en place des BRICS, c'est-à-dire du regroupement d'États qui refusent d'être dépendants des États-Unis, qui mettent en place un processus dans lequel ils vont faire des échanges entre eux qui ne sont pas des échanges en dollars. Autrement dit, nous sommes de nouveau dans une période où il y a des recherches d'alternatives. Elles sont plus ou moins solides, plus ou moins claires, plus ou moins euh, révolutionnaires, plus ou moins progressistes, peu importe. Mais on n'est plus dans la phase de recul effectivement en europe en europe nous n'avons pas cette dynamique mais si on a bien compris le lien entre là bas et ici eh bien on peut se dire que ce qui bouge là- bas aura des effets ici E poi c'è un'altra lezione. Qua eh, abbiamo l'impressione che non ci sia niente che si muove, niente che avanza. Ma è uno sguardo un po' eh, falsato perché se allarghiamo lo sguardo, i popoli eh, si stanno muovendo. Eh, quindi si sta uscendo da quella che può essere chiamata una fase di reflusso. Eh, le lotte si sviluppano. Se pensiamo al Niger, al Mali, al Burkina Faso e a quelle che sono stati i movimenti eh, recenti contro. Ehm, eh, L'esercito francese eh, dietro la Francia chiaramente c'è un eh, opporsi a quella che è l'ingerenza europea, si rimette in causa la presenza degli Stati Uniti, quindi i movimenti stanno chiedendo questo. Se pensiamo ai BRICS, quindi a gruppi di stati che eh, rifiutano la dipendenza dagli Stati Uniti, mettono in campo un processo di scambio tra di loro che eh, non è in dollari, quindi questo è un altro elemento che va eh, che è da considerare. E, siamo in un periodo eh, di ricerca di alternative eh, che sono sicuramente più o meno chiare, più o meno solide, più o meno rivoluzionarie, ma non siamo più in una fase di eh, riflusso. In Europa non abbiamo questa dinamica, ma eh, se abbiamo capito il legame eh, che eh, ciò che muove altrove avrà degli effetti anche qui, allora andiamo in questa direzione. Pour prendre un exemple très concret qui montre, montre le changement qui est en cours aujourd'hui et sur lequel on est en retard, nous en Europe, ben, prenons la question de la guerre en Ukraine. Quand les États-Unis ont voulu faire voter aux pays africains, asiatiques et d'Amérique latine ce qu'ils avaient fait voter pour l'Irak il y a quelques dizaines d'années et où ils avaient eu tout le monde pour les aider à aller détruire, euh, détruire l'Irak, eh bien, ils se sont retrouvés minoritaires. C'est-à-dire que les peuples africains ont dit non, on, on, on ne vient plus. Et les, même leur gouvernement, qui avait peur des réactions, ont été obligés de dire non. Et donc, on voit bien que le monde est en train de changer, avec bien entendu un changement plus dur ici, puisque ce sont nous, ce sont nos États qui dominent le monde. Et donc, ne nous étonnons pas que ça soit plus difficile de bouger ici. Mais ce qui bouge ailleurs annonce des changements ici, inévitablement. Pourquoi et ça, c'est l'aspect douloureux. Au fur et à mesure que les peuples du tiers-monde réussiront à se débarrasser, même un petit peu, du poids de nos États ici, eh bien, notre exploitation ici va augmenter. Parce que c'est les surprofits qui sont faits en Afrique, en Asie et en Amérique latine qui permettent les petites politiques sociales qu'il y a ici. Les bourgeoisies dominantes ici ne vont pas accepter la baisse de leurs profits. Ils vont donc diminuer, récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer sur les peuples ici. Et donc, je pense qu'on va vers une paupérisation plus forte dans les années qui viennent. Et à nous de faire en sorte que cette paupérisation, elle débouche sur des luttes plus fortes. Eh, un altro esempio concreto eh, che mostra il cambiamento su cui siamo anche in ritardo in Europa rispetto a una lettura di questa cosa è la guerra in Ucraina. Lo abbiamo visto quando gli Stati Uniti hanno eh, richiesto il voto rispetto a questa cosa. I paesi africani non, non hanno seguito questa, eh, questa indicazione, e quindi gli Stati Uniti si sono ritrovati in minoranza. Il mondo sta cambiando e sta annunciando cambiamenti anche qui, eh, anche perché eh, a mano a mano che i popoli del terzo mondo si sbarazzano del peso dei nostri stati, allora... Eh, la nostra, il nostro sfruttamento, il dominio qui andrà ad aumentare perché ehm, in questo momento lo sfruttamento altrove, il dominio altrove permette che eh, in Europa, nell'Occidente, esistano ancora delle garanzie, ma eh, quando queste smetteranno di esserci o a vacillare, allora la borghesia eh, europea dovrà eh, recuperare, recuperare in qualche modo e quindi eh, andando a sfruttare quello che è il popolo qui eh, ci sono delle domande Ciao e grazie mille per tutte queste cose. A me dalle ultime... Eh, interventi mi veniva questa domanda no? eh, come mettere insieme le due lezioni quella riguardo all'importanza del tramandare le storie di lotta alla tradizione con tutto il resto di questo discorso sulla la, la società oggi su questa nuova fase e anche sul cambiamento eh, della classe io se penso appunto a grandi fasi di lotta qua in questo paese cioè, sono nella fase precedente eh, di questo questo ragionamento e quindi anche un po' in relazione a questo come eh, rispetto all'ultima cosa che dicevi eh, dell'impoverimento eh, comprendere come posizionarsi dal momento in cui da una parte l'impoverimento è frutto di questo mondo che non è più stabile e dall'altro però le persone eh, nate e cresciute qua con hanno una differente storia e tradizione di lotta alle spalle, lo vediamo eh, già adesso, che comunque chi eh, è nato e cresciuto anche solo a origini in paesi in cui tutte queste cose succedono ha un punto di vista diverso da chi è nato qui, anche dalla parte della lotta e questo può essere una grande possibilità ma anche una grande difficoltà rispetto alle lotte qua. Oui, alors euh, là il faut, il faut une journée entière pour répondre à ça. J'ai bien entendu pas la réponse à tout ça, sinon je l'aurais euh, déjà mis en œuvre, etc. Je, ce que je pense, c'est que euh, il faut vraiment qu'on insiste aujourd'hui sur trois dimensions qui doivent se coordonner. Et quand je dis ça, je sais pas comment faire. La première, c'est la dimension de multiplier les espaces collectifs d'auto-organisation, quel que soit l'objet. Nous sommes dans une phase où l'impérialisme ne peut survivre que si les gens ne se parlent pas. Et donc il faut multiplier les collectifs de lutte, même si c'est des collectifs sur un seul objet. Ça pour moi c'est l'élément premier, recréer du nous là où on a éparpillé, on a voulu créer ce que certains ont, ont, ont considéré que c'était positif, mais euh, voilà, euh, donc recréer le maximum de dimension collective. Le second élément, c'est de créer des moments comme cet, comme cet après-midi, c'est-à-dire des moments dans lesquels on va, sur un objet précis, permettre des échanges et des bilans des luttes. Et le troisième élément pour moi, c'est de sauter sur les occasions. Je le disais tout à l'heure, la révolution, c'est d'abord un mouvement spontané. Là où le mouvement spontané a rencontré des groupes organisés, dotés d'une théorie, ça a donné des changements profonds. Et donc, <laughs> il ne sert à rien de créer artificiellement la révolution. Il faut être en mesure d'aller là où ça bouge, quand ça bouge pas pour donner des leçons, mais pour donner toutes les chances que ça puisse s'élargir. Et on, personne ne peut dire aujourd'hui d'où ça peut s'étendre. Cette fameuse euh, comment faire pour que ça... Y ait, personne ne peut le dire à l'avance. Je donnais un exemple tout à l'heure, euh, euh, avant la conférence, euh, en Palestine. La phase actuelle, elle est née de quoi elle est née d'une lutte de six familles. Alors après, les organisations ont pris le relais. Mais elle est, elle, elle est née d'une lutte de six familles qui refusaient de quitter leur logement parce que la loi sioniste prévoit que si un citoyen juif peut donner un titre de propriété qui date du 19e siècle, on fait partir la famille. Il y a six familles qui ont refusé. Personne ne pouvait dire que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris. C'était il y a un an. Et il y a un an, ça, six familles qui refusent de partir, ça a provoqué l'afflux d'abord de centaines, ensuite de milliers de personnes pour protéger les familles, pour surveiller les maisons. Et ensuite, ça a provoqué des manifestations dans toute la Palestine, y compris celle qui est aujourd'hui officiellement membre d'Israël. Et ça s'est appelé, ils ont appelé ce mouvement-là l'intifada de l'unité, puisque tous les Palestiniens qui étaient en Cisjordanie, à Gaza, en Palestine de 48, dans les, dans les camps de réfugiés, se retrouver sur un combat commun. Et ça, ça a été un des éléments. Et ceux qui ont fait le 7 octobre, le groupe des 14 organisations de résistance qui ont lancé le 7 octobre, disent eux-mêmes que la ré... leur unification à eux, en tant que groupe de résistance, était pour être à la hauteur de l'unification qu'avait eue le peuple palestinien par ce mouvement spontané de l'intifada. Donc personne peut dire. Parfois, on peut se dire cette lutte, elle est petite, mais cette lutte, elle peut. Euh, elle peut, parce que les conditions sont réunies, se, se, se développer. Voilà, je n'ai pas réponse à tout, mais c'est des éléments de réponse qui me semblent euh, importants. Et puis, euh, peut-être aussi la question de la transmission, la prendre plus, de manière plus organisée, parce qu'il euh, y a eu un vide militant. Hein. Je sais, je, je, je posais la question tout à l'heure pour savoir si on était lié à ça, mais en France, il y a eu un vide militant entre la génération des années 80 et... e la generazione d'aujourd'hui il y a eu une absence de passage et on voit bien qu'on le paye on le paye cher. Quoi. Allora non ho la risposta a tutto eh, quello che è stato chiesto, però intanto bisogna insistere su tre dimensioni che devono coordinarsi tra di loro, anche se non ho la risposta su come fare. Um, intanto moltiplicare gli spazi collettivi di autoorganizzazione qualsiasi sia il tema l'obiettivo la lotta su cui si fondano perché uh, quello che dobbiamo ricreare è una dimensione collettiva che è ciò che è stato disarticolato uh, dal potere dallo Stato e, um, quindi questo è molto importante. Poi eh, creare anche dei momenti come questo di oggi pomeriggio in cui si parla, c'è un reale scambio e si fa un bilancio delle lotte, e poi cogliere le occasioni. Eh, la rivoluzione, come detto prima, è un movimento spontaneo che eh, incontra dei gruppi organizzati e questo solo solamente in questo caso. Ehm, è possibile che possa creare dei cambiamenti profondi. Quindi quello che dobbiamo fare come militanti è andare eh, laddove si muove qualcosa a livello spontaneo, quando si muove, eh, per dare tutte le possibilità, tutte le condizioni eh, possibili perché eh, quello che nasce spontaneamente possa eh, alimentarsi e allargarsi. Eh, oggi non sappiamo dove si andrà eh, ad allargare, dove saranno le dimensioni in cui eh, ci saranno delle dimensioni spontanee, eh, però eh, nella fase attuale quello che dobbiamo comprendere anche rispetto alla Palestina, quello che eh, succede oggi è dato da tutta una serie di condizioni che si sono riunite ehm, nella storia recente, infatti parla di una lotta di sei famiglie che hanno rifiutato di lasciare eh, la loro Casa, eh, sei famiglie palestinesi che ehm, ha preso un una dimensione molto più grande di quella che eh, si sarebbe potuta immaginare e questo ha provocato eh, con la loro resistenza ha provocato l'afflusso di centinaia di persone per presidiare eh, il quartiere, si sono poi create manifestazioni ovunque eh, a Gaza, nella Palestina del 48, nei campi dei rifugiati in Cisgiordania e questo ha permesso di preparare il terreno di una eh, riunificazione anche anche preparare il terreno di quello che poi è stato eh, il 7 ottobre. Le organizzazioni stesse dicono eh, che si sono poste la questione di dover essere all'altezza di quello che era stato creato da eh, questa lotta e quindi all'interno del, del popolo palestinese. E poi un'altra questione a cui accennava è la questione della trasmissione e la questione del passaggio anche eh, delle conoscenze tra eh, militanti, tra generazioni diverse che è fondamentale. Allora, una domanda ti riporto in Francia, nel senso che l'anno scorso noi abbiamo assistito, purtroppo da qua qualcuno è riuscito a visitare, crediamo la una delle più grandi rivolte delle banlieue e delle periferie francesi, eh, che è stata una fiammata, ma eh, almeno il riverbero che c'è stato qua da noi nelle composizioni che più o meno abitano i quartieri popolari delle grandi città e non solo, che iniziano ad assomigliare eh, come dimensione di classe, eccetera, a quello che è una dimensione ormai storica francese. Eh, ci sembra che abbia parlato molto e eh, che sia stato un, un, un immaginario che si è riprodotto la Palestina e eh, quello che sta succedendo in questi mesi. Ci sembra che parli a queste generazioni di giovani eh, e che sia la prima cosa che ci mette in qualche modo in contatto eh, con, eh, con, queste, con queste nuove generazioni eh, e eh, che anche se. Sono fuori da un orizzonte della sinistra o socialista, comunque un orizzonte che storicamente animava anche le rivolte di cui, abbiamo, di cui ci hai parlato eh, e le rivoluzioni. Comunque ci sembra un, punto, un primo punto di, di contatto. Quello che volevo chiederti è: eh, nella crisi eh, francese, eh, come lo Stato sta rispondendo ormai? Da un anno eh, si ha avuto delle ristrutturazioni nel governo eh, del, delle periferie e invece da un lato soggettivo cosa ha cambiato questa rivolta, cosa ha lasciato eh, nei giovani o comunque nel tessuto sociale eh, di chi abita le, le periferie. Un, deux. Oui. Oui. Au niveau de l'État, c'est clair, la réponse, c'est une répression plus forte. Ils ont euh, amélioré leur dispositif de loi pour le rendre encore plus sévère. Ils ont, euh, le nombre de crimes policiers a augmenté. Donc les contrôles ont continué. Euh, les politiques de surveillance des quartiers. Ne se sont pas transformés, c'est-à-dire ça reste des, des, des politiques quasiment coloniales. On boucle un quartier, on se permet de venir faire un contrôle à n'importe quel moment et de contrôler plusieurs fois dans la journée. Bref, on a des scènes qui ressemblent aux scènes coloniales. Hein. Il y a une gestion coloniale des quartiers euh, qui, qui s'est mise en place et ça s'est aggravé cette euh, cette dernière année. Ça c'est sur l'aspect euh, politique. Le second, la seconde dimension sur l'aspect politique, ça a été quand même la force de ce mouvement. Qui a fait bouger quelques lignes, même de manière démagogique, même si c'est pour avoir des voix aux élections, on a des forces politiques qui sont contraintes aujourd'hui de parler de manière correcte de la situation des quartiers populaires. Donc on a aujourd'hui ce qui était inimaginable il y a quelques années, des gens qui dénoncent l'islamophobie, des gens qui dénoncent ce qui se passe en Palestine, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une force à ce niveau-là. Alors est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est uniquement électoraliste, peu importe, n'empêche que la force du mouvement a fait que des termes comme racisme systémique, ça fait partie du vocabulaire politique aujourd'hui. Ça, c'est des victoires. On a, on, a, on a eu des victoires idéologiques par euh, le poids du mouvement. Il faut rappeler aussi que ces victoires ont été, ont été très chèrement payées, parce que vous avez vu les affrontements, mais au-delà des affrontements, il y a eu tous ces jeunes qui sont passés au tribunal et qui ont eu des peines très lourdes et y compris pour un certain nombre d'entre eux, des interdictions professionnelles dans toute une série de secteurs. Euh A livello dello Stato, ovviamente la repressione è diventata più forte, sono stati migliorati i dispositivi eh, repressivi, sono aumentati i crimini della polizia. La sorveglianza nei quartieri popolari è diventata sempre di più una politica di gestione coloniale. Quindi si permettono di fare controlli quando vogliono, è una eh, situazione che si è aggravata. Ma eh, la forza di questo movimento ha anche spostato alcune linee. Infine, da un lato eh, anche se in maniera demagogica di propaganda, alcune forze politiche oggi parlano della situazione dei quartieri popolari, denunciano l'islamofobia, parlano della situazione in Palestina, eh, probabilmente perché si sono resi conto che c'è una forza dietro questo e quindi conviene... Ehm, Posizionarsi e esprimersi su queste questioni. Questo poco importa se è strumentale, ma eh, è una vittoria ideologica. Ovviamente sono vittorie pagate care: abbiamo visto gli scontri con la polizia, ma soprattutto abbiamo visto giovani e giovanissimi in tribunale con pese pesantissime e anche il divieto di eh, partecipare a determinati mh, percorsi professionali. Eh, innanzitutto, grazie per l'intervento e mi ricollego all'ultima domanda che è stata fatta. All'inizio abbiamo detto che non ci sono legami tra ciò che succede qua in Europa, ciò che succede nelle colonie. Però io mi chiedo: eh, le rivolte che ci sono state per Naele in generale contro tutta la gestione dello Stato francese, possiamo tracciare una correlazione tra quell'insorgenza popolare? e tutte le rivolte e le insurgenze che ci sono state nei paesi colonizzati dalla Francia, quindi mi riferisco alla fascia del SEL, possiamo dire che la debolezza che lo Stato francese ha mostrato in Europa è anche la stessa che ha mostrato poi nelle colonie e che quindi c'è una correlazione tra movimenti di persone razzializzate in Europa e nelle ex colonie francesi? Alors, vous avez raison, il y a eu, il y a eu des liens, hein. simplement les liens. Euh, quand je parlais d'absence de lien tout à l'heure, je parlais d'absence de lien des organisations militantes, euh, progressistes, révolutionnaires, syndicales, etc. Je ne parlais pas des, euh, des premiers concernés. Pour les premiers concernés, ceux qui se font contrôler par la police, ceux qui se font tuer par la police, etc., il euh, y a des liens euh, qui se sont qui se sont maintenus et il y a eu des passages entre euh, ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe ici. Et c'est très clair aujourd'hui que... Euh, euh, moi, Je, je vais voilà, vous donner juste un exemple. J'anime une émission euh, hebdomadaire sur la géopolitique. Donc c'est une émission, euh, c'est une chaîne vidéo qui parle des, euh, des luttes anticoloniales dans le, dans, dans, dans le monde. Euh, quand je regarde les commentaires, d'abord c'est par... Euh, il y a un nombre fou de personnes qui, euh, qui vont dessus. J'ai été moi-même surpris du nombre et de l'augmentation ces dernières années, enfin ces derniers mois. Euh, et quand on regarde les débats, ça débat entre Dakar et Paris. C'est de, 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 un jeune de Paris qui débat et qui répond aux jeunes de Dakar. Et ils répondent sur quoi Eh bien, quasiment sur les mêmes repères théoriques, avec quasiment les mêmes mots. Donc, euh, dans les populations, il y a eu des liens qui sont maintenus. Non, je, tout à l'heure, j'ai parlé de la faiblesse des liens entre organisations militantes là-bas et militantes ici. Allora certo ci sono dei legami, eh, l'assenza di legami di cui parlavo prima è quella che riguarda le organizzazioni militanti, quindi organizzazioni sindacali, progressiste o comunque organizzazioni formali, diciamo, non parlavo dei legami tra le, le persone coinvolte, i primi eh, insomma che fanno parte comunque dei, dei movimenti, di quello che, che si muove. Um, quindi ci sono legami che si mantengono uh, tra quello che succede in Francia, quello che succede in Africa e poi faceva l'esempio di una trasmissione video che, che fa um, uh, su internet e che parla di lotte anticoloniali nel mondo e quando guarda i commenti che sono tantissimi, tantissime persone le, uh, la seguono ed è anche sorpreso di questo, uh, vediamo il dibattito tra un giovane di Dakar e un giovane di Parigi e che dibattono. Uh, partendo dagli stessi punti di uh, partenza, dagli stessi riferimenti teorici, col, usando le stesse parole, quindi i legami tra le popolazioni si è mantenuto. Non so se c'è qualcun altro che vuole o qualcun'altra che vuole intervenire. Con una qualche domanda o osservazione? Sì. Non si sente, se puoi venire qua. Allora, eh, prima si è fatto riferimento al dibattito su Hamas, eh, che alcuni sollevano il problema che sarebbe religioso. Ma il problema non è piuttosto che, non, non che sia religioso, ma che è di destra e che quindi in realtà possa configurare una forma di anticolonialismo che però non è anticapitalista, e quindi alla fine non rischi, cioè rischia di non essere davvero anticolonialista, come ad esempio è successo, non so, penso tipo in Iran nel 79, quando alla fine la rivoluzione contro lo Shah, che alla fine era. Un burattino del, degli Stati Uniti, poi è stata diciamo, eh, rubata da, dagli agli Atollà che hanno estromesso le forze di sinistra e hanno poi instaurato il loro regime, che è un regime di destra, ed è un regime che comunque porta avanti delle forme capitaliste. Infatti, tipo le proteste che ci sono adesso in Iran comunque sono diciamo, non solo delle proteste contro. Les impositions religieuses du régime, des ayatollahs mais ont aussi des revendications sociales C'est une question de fond hein, que vous posez. Et en réalité, ça pose la question de pourquoi on est anticolonialiste Que le peuple palestinien, une fois indépendant, décide. Moi, je pense que c'est pas possible, mais. Je, je dirai après pourquoi. Mais faisons comme si c'était possible. Décide de créer un État capitaliste, c'est son problème. C'est pas le nôtre. On ne, va pas, on ne soutient pas une lutte parce qu'elle porte le même projet de société que nous. On soutient les luttes qui sont justes. Est-ce qu'aujourd'hui, la lutte du peuple palestinien contre le sionisme est une lutte juste C'est ça la question après, le peuple palestinien, c'est lui qui est maître de son destin. Et je n'ai pas, moi, d'ici, en Europe, à venir dire « Ton projet de société n'est pas assez élaboré, donc je ne peux pas te soutenir. » En réalité, je pense qu'il ne faut jamais oublier que dans le soutien à une lutte, il faut avoir cette vision mondiale dont j'ai essayé de parler tout à l'heure, c'est qu'il y a un système impérialiste qui surdétermine tous les autres débats. En situation coloniale, le colonialisme surdétermine tous les autres débats. Et si on oublie ça, on comprendra pas les révoltes des peuples, et on comprendra pas pourquoi, à certains moments, ça prend telle forme ou telle autre forme. Donc, je pense qu'on n'a pas nous à nous préoccuper ou à, à nous poser la question de ce que fera le peuple palestinien s'il obtient son État indépendant. Ça, c'est son problème. C'est son problème. Je ne soutiens pas un peuple parce qu'il va appliquer ce que moi je veux pour moi. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Chaque peuple est libre de construire son histoire. Là où on peut être rassuré, c'est que je pense qu'en réalité, il n'y a plus de place pour de nouveaux capitalismes. En réalité, soit les peuples du tiers-monde restent dominés, soit ils vont être obligés de rompre avec le capitalisme. Le capitalisme ne laisse plus aucune place à de nouveaux concurrents. En réalité, quand il implante les rapports de production capitaliste dans un pays, il les implante en situation de domination. Il les implante de manière déformée, de manière rognée. Par exemple, ici, en France, le... euh, pas ici, donc en France, en France, le capitalisme s'est construit. Sur la base de la destruction du féodalisme. Quand le capitalisme s'installe en Algérie, ben il s'allie avec le féodalisme. Parce que c'est un capitalisme dominé. Notre ennemi, c'est d'abord les capitalistes dominants. Et non pas les capitalismes dominés. Parce que les capitalismes dominés, en réalité, c'est à leur peuple de les faire exploser. Quella che viene posta è una questione profonda sul fondo del tema, perché in realtà pone la questione di perché siamo anticolonialisti che il popolo palestinese una volta indipendente eh, deciderà di creare uno Stato capitalista eh, io non penso che questo sia possibile e dopo spiegherò perché però è un suo problema non è un nostro problema noi non sosteniamo una lotta perché eh, ha lo stesso progetto al progetto che noi vorremmo per quel popolo la lotta del popolo palestinese contro il sionismo è una lotta giusta e noi sosteniamo quella noi eh, non siamo qui per dire eh, qual è il progetto eh, più adeguato, se il progetto eh, palestinese non sia abbastanza elaborato o all'altezza e quindi decidiamo se sostenere o non sostenere. Eh, per sostenere una lotta come questa bisogna avere una visione eh, globale, complessiva. Eh, delle questioni in cui quindi l'imperialismo, il colonialismo eh, sono ciò che determinano eh, tutto il resto, quindi se non teniamo conto di questo non comprendiamo le lotte, le forme che le lotte prendono, eh, quindi non ci dobbiamo preoccupare più di tanto di cosa farà eh, la Palestina nel suo Stato indipendente ehm, perché non sostengo un popolo perché penso che farà ciò che penso sia giusto per loro eh, in questo caso possiamo essere rassicurati perché io Penso non ci sarà spazio per un nuovo capitalismo. Anche perché eh, o si continua o il popolo continua ad essere eh, dominato oppure eh, romperà con il capitalismo. Quindi, eh, se si distrugge la forma di dominio in cui è immerso allora implica anche di distruggere il capitalismo e quindi aprire lo spazio a anche nuove forme di società. Il nostro nemico è il capitalismo dominante prima di tutto e sono i popoli a decidere appunto di poi portare avanti quello che sarà sul loro territorio. Bene, io credo che uh, a questo punto potremmo chiudere questo dibattito. Ringraziamo ancora tantissimo Said per uh, il suo prezioso contributo. E, um... <applause> e niente, la serata continua, adesso ci sarà anche da mangiare nel, nel lato di là del centro sociale e poi a seguire ci sarà una serata musicale. Uh, domani il festival continua, ci sarà una giornata dedicata all'arte, ci sarà la proiezione del documentario su Gilardi che è un artista di cui abbiamo anche esposto alcune opere uh, in suo ricordo, un artista che è anche, sta, sempre è stato presente all'interno del movimento Notav e quindi vi invitiamo tutti e tutte a partecipare anche domani.